Je vous avoue que Debussy, au tout début, c'est un compositeur que je détestais. Pendant toutes mes années d'études, tout le monde le jouait. Et à chaque fois qu'il fallait une pièce contemporaine, pas une pièce contemporaine, mais une pièce moderne, dans des programmes de concours ou dans des récitals, ben, inévitablement presque, c'était Debussy. À un moment donné, vers la trentaine, j'ai honte à l'avouer, j'ai fait un tournant d'absolument 180 degrés et j'en suis venu à réaliser très tardivement que Debussy était un des plus grands génies qui ait jamais existé. C'est un mariage de science et de sensualité et d'émotivité qui a nulle part son égal, d'après moi. Et je me réjouis d'avoir enfin pu enregistrer Debussy et je peux vous assurer que ça ne sera pas la dernière fois. Le diapason d'or de l'année, pour moi, c'est un bonheur immense. C'est un honneur qui, pour moi, est incalculable. Surtout que, comme beaucoup d'étrangers, ça n'a pas été facile pour moi de percer le marché français en tant que concertiste. Alors, de me faire reconnaître de la sorte, je ne peux pas vous dire à quel point ça me touche. Et j'en suis profondément honoré.